Genèse chapitre 13. Séparation Abraham ak Lot plus méditation. Abraham quitte pays l'Égypte, li monte nan nord ensemble ak madame li ak tout sa li genyen. Lot neve la te la avec li tout. Abraham te riche en pile. Li te gen en pile mouton, en pile cabrit ak en pile bœuf. Li te gen en pile l'argent ak en pile lò. Li voyage jusqu'à ce qu'il rive bon Bethel côté li te monte tant li avant entre la ville Bethel ak la ville Aï. Li tourne côté li te monte yon l'hôtel première fois, li fait service pour bon Dieu encore. Lò même neve qui t'a voyagé ensemble avec Abraham là. Te gen mouton ak bèf palto. Li te gen moun tou avec li. Peyi a te vin trop piti pou yo dé arrêté ensemble parce que yo te gen trop zanimo pou bay manje. C'est comme ça. Te vin gen yon kabouya ant gado mouton Abraham yo ak gado mouton Lo yo. Lè sa, se moun kanaran yo avec moun ferezi yo ki te rete nan peyi ya. Abraham di Lo kon sa. Mon chè, se fami nou ye. Pa gen rezon pou nou gen kont yon ak lòt. Ni pou gado ou yo gen kont ak gado pami yo. Men tout peyi ya devan nou. An separe. Si ou fe bo dwat, ma fè bon gauche. Si ou fè bon gauche, ma fè bon droit. Lo voyage tout partout, li gade plein Jourdain bien gade. Tout plein nan rive jouk Zoa te ouze net ale. Jaden yo te tankou jaden Seigneur ya, tankou nan peyi l'Egypte. Lè sa, Seigneur pa tankou disparèt la ville Sodome ak Gomo. Lo choisi plein Jourdain pou li. Li pati nan direction soleil levé. Se konsa de mesye yo te separe. Abraham rete nan peyi Kanaran. Lo menm al monte kayli nan mitan la vil yo ki te nan plein nan. Li monte kayli bo la vil Sodom. Moun Sodom yo te mouve moun anpil. Yo ta fe anpil peche kont Seigneur ya. Lè lo finale, Seigneur a di Abraham kon sa. Kanpe kote ou ye a? Voyaje ou tout patou, nan tout direksyon. Nord, sid, lès, lwès. Paske mwen pral ba ou tout te ou ye a pou ak pitit pitit ou yo pou tout tan. Mwen pral ba ou an pil pitit pitit. Si yon moun ka konte tout grain poussye ki sou la tè, l'arrive konte pitit pitit ou yo tou. Bon, kounye ya, ou met promene mache nan tout peyi ya, paske se ou men mwen pral bay li. Se kon sa, Abraham ramase tout zafel, li vin rete bo pye boat chen mamre yo, tout pre Hebron. Se la li bati yon l'hôtel pou Seigneur ya. Amen. Amen. Histoire sa enseye nou. Nou dwe fè tout sa ki depan de nou pou n'evite division. Abraham pou te ka evite trop diskisyon ak division. Li te di neve li Lo. Mon chè, se fami nou ye, pa gen rezon pou nou gen kont yon ak lòt, ni pou gado ou yo gen kont ak gado pam yo. Men tout peyi ya devan nou, an separe. Si ou fe bo dwat, ma fe bo gòsh. Si ou fe bo gòsh, ma fe bo dwat.
Ça, c'est un exemple que nous devons suivre. À chaque fois, tu as gagné une mésentente entre nous-mêmes et nos prochains. Dans Hébreux 12, verset 14, mais ça le dit. Cherchez vivre à qu'imposer à tout le monde, mais n'ayons la vie à pas pour bon Dieu. Si ce n'est pas ça, pas de monde qui a pour le Seigneur. De même, apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1er verset 10, Frère Mio, mais ça m'a demandé nous dans Jésus-Christ Seigneur nous. T'en prie, mettez-nous d'accord sur toute bagaille. Pas quitter division, mettez pied dans mitan nous. Au contraire, c'est pour nous vivre yon ak l'autre. Mettez yon seul l'idée dans tête nous. C'est pour nous tous gagner une seule parole. N'allez plus loin dans Jean 13, verset 34 à 35, qui dit Mais, n'a pas nous un commandement nouveau. C'est pour nous yon remen l'autre. Oui, c'est pour nous yon remen l'autre, même Jean moins remen nous. Si nous yon remen l'autre, laisse tout le monde va connaître ses disciples moins nous. Amen oui. Qui t'aime reprendre encore. Si nous yon remen l'autre, laisse tout le monde va connaître ses disciples moins nous. Abraham te fait tout ça qui dépend de lui pour t'éviter division ak nevelilo. Parce que division c'est un bagaille bon Dieu raï. Nous-mêmes qui vivons ensemble dans Christ là, faut que nous évitions les bagailles qui fait nous diviser avec frère nous, qu'il en soit ainsi.